C'est pasteur Mackintosh François de l'église de Dieu Maison de Refuge. Donc nous là, je dis en chair et en os pour nous participer dans l'émission ça ensemble avec. Ok, nous dit pasteur Mackintosh merci parce que vous êtes peut-être une fois que nous-mêmes nous allons suivre avec un peu de modération et tout ça qu'on va dire parce que nous toujours connaissons dit ça. Il y a une différence entre attendre et attendre. C'est débat différent. Même si nous tendons tous les mots, c'est tendre, attendre, mais pas même. Il faut tendre, mais pendant qu'on attend, on porte attention à ce qu'on attend, à quoi on réflexion, et qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Et nous souhaitons que nous-mêmes, je disais, nous pas seulement tendre pour tendre, mais nous pas tendre pour nous capables de tendre tout le monde. Jean que nous avons l'habitude de faire, nous toujours mettons un sujet sur table avant que nous commencions l'émission, et c'est autour de sujet ça que petit temps ça nous va passer ensemble, dans, qui c'est 45 minutes, que nous va passer ensemble dans le sujet, on va débattre. Sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est très simple et qui toujours met en plus de difficultés dans l'église qui ça parce que nous plus là pour prier, même pas là pour enseigner. Et je connais la Bible, dit ça clairement, mon papa, il faut prier, mais faute de connaissance. Alors, on a toujours prier matin, midi et soir, mais de pour être sorte, pour qu'à ses yeux, on va prier ou à l'enfer parce qu'on sort. Bah nous sort, non. Mais, ou même qui connaît ça, qui parle pré-enseignement, il y a conscience qu'on sort et ouvrir l'esprit dans sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est bien simple, qui s'est dit, est-ce que j'en l'église aujourd'hui montrer imiter l'esprit d'après Ephésiens 4, verset 3. Est-ce que j'en l'église aujourd'hui montrer imiter l'église Ephésiens 4, verset 3 à 6. Je ne sais pas si ça va se faire dire le sujet, mais nous quittons la parole. Très bien, merci. Encore une fois, merci, mon cher frère. Aujourd'hui, nous avons un contexte côté bagage très difficile. Très difficile en ce sens que vous posez cette question pour demander est-ce que son seul l'église qui existait. Vous posez cette question pour demander lorsque Jésus te dit mon église, ah bon, ou mal pour comprendre, est-ce que tu as une erreur sur personne ou bien sur première personne, sur pronom possessif ça ou bien adjectif possessif mon ça. Est-ce que c'est Mel d'envie dit ou bien est-ce que vraiment c'était moi? Par contre, le wap, mais le wap approfondi, wap lit surtout le livre avec des apôtres, wap lit dans la Bible, ou dit waouh, si je bien comprends là, c'est une église indivisible. Les Jésus-Christ dit mon église, bien dit. Parce que même le, c'est vrai, nous connaissons. Et il faut parler de l'église universelle et il faut parler des églises locales. Maintenant, est-ce que le fait de parler des églises locales fait de cela que l'église là bah, suspend l'indivisible? C'est là qu'il vient demander pour nous poser en pile question. Sous qui base nous venons obligés de parler des églises? Est-ce que c'est sous base que l'église là suspend l'indivisible? Parce que, quel que soit l'agence, ça y est, l'église était. Ils ont unicité. Parce qu'il faut, il faut utiliser ces deux termes à la fois pour l'Église et le terme unicité et le terme unité. Ok? Il faut utiliser ces deux termes à la fois
unicité et unité. L'Église est une unicité, tout comme l'Église est une unité. Il faut utiliser tous les deux termes. Unicité pour dire que l'unité de l'Église est essentielle. C'est dans l'essence que l'Église est unique. C'est depuis dans l'essence. Ce n'est pas seulement dans l'organisation. Est-ce que vous êtes là? L'Église est sujet d'adoration à une unique Dieu. Unique Dieu, et nous parlons de l'unicité de l'Église. C'est vrai, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui des sept conditions de l'unité. Nous ne pouvons pas vraiment parler. Pour nous précis, je vais aller plutôt dans sept causes de division interdites. Okay. Au lieu d'aller dans sept conditions d'unité. Avant qu'on arrive dans cette cause-là, avant qu'on arrive là-dedans, nous allons faire éclaircir plus toujours en phrase, on se dit là, quand on dit comme ça. Jésus te dit mon église, il va te dire des églises, il va te dire mes églises. Bien sûr. Et on te dit comme ça, les Jésus te dit mon église là, et même si en particulier il y a des églises locales, bien sûr. Moi, je ne suis pas courir dire des églises là, je vais dire des assemblées locales. Je vais dire des assemblées locales, je vais dire des doctrines, mais sinon c'est l'église qui vient. C'est pas un problème, mais en fait, le terme assemblée. Assemblée. L'introduit dans la Bible par le même terme contracté par l'Église. Voilà pourquoi les termes deviennent interchangeables. Ils deviennent interchangeables. Donc, si moi j'utilise l'Église là, il n'y a pas de problème. Si je suis l'assemblée à tout, il y a des actes synonymes. Alors, du moins, si je considère et contexte ou bien contexte de vie Jésus-Christ. Parce que dans le moment contexte de vie Jésus-Christ, il n'y a pas aucune différence vraie entre Église et assemblée. Aucune différence. Maintenant, avec l'évolution, le terme église a évolué côté que lui vient pour un caractère tout carrément religieux et spirituel. Mais avant, il n'y a pas vraiment comme ça. Donc, ça ne fait que dans l'époque. À l'époque, les deux termes étaient interchangeables. OK? Donc, on nous rentre pour nous capables plus. Pour nous ne pas perdre du personne, on utilise un terme assemblé. Okay. Pour nous ne pas perdre du personne. Personne. Non. OK, voilà. OK? On utilise le terme assemblé local. Là. Assemblée locale. Bien. Mes chers amis, écoutez. Jésus-Christ fondait l'Église là, mais dans l'esprit de ce que nous allons appeler l'unité spirituelle. Si unité est seulement sur le plan organisationnel, nous n'avons qu'à gagner des églises, il suffit que y ait bien organisé entre eux. Okay. Quel que soit genre d'organisation en fait. Okay. Que l'été organisation hiérarchique. Est-ce que tu es anarchie? Que tu es une organisation extérieure, de quelque soit nature, quelque soit nous avons toujours une unité pendant que nous avons des églises. Okay. Nous devons avoir plusieurs branches, mais nous avons un seul but. Le ça, nous n'avons pas, seul le problème, maintenant nous n'avons pas parler d'unicité. Non, nous n'avons pas parler. Chaque monde n'a pas gagné l'église, dans la mesure où nous arrangeons, nous jouons une certaine unité organisationnelle. C'est comme si nous tous avions plusieurs différents, mais nous avons un même monde. Voilà. Et okay. Eh bien là, il y a une différence. Pour quelle raison? C'est parce que premièrement, l'Église appartient à quelqu'un bien défini. Bien défini, yes. Une seule personne. L'Église est un corps qui gagne une seule tête. C'est un corps qui gagne une seule tête. L'Église n'est pas une simple institution. L'Église, c'est un organisme vivant. Maintenant, on comprend. Tout organisme vivant a plusieurs têtes, il y aurait les monstres. Oui, il y aurait les monstres. Ouais, c'est ça. Voilà ce qui fait l'unicité de l'Église. Automatiquement, il y a plusieurs têtes, l'Église n'est pas unique encore. L'Église n'est pas unique encore. Nous avons arrangé nous pour nous jouer une unité organisationnelle. Mais elle n'est pas unique encore parce qu'il y a plusieurs têtes. Et bien là, pour nous jouer une unicité, il faut une unité dans le contexte de cette tête-là qui c'est Jésus. Il y a un problème qui gagne, c'est que vous avez l'impression que chaque leader sous la terre sont têtes pour l'Église. Ah oui, ça va à moi. Vous avez l'impression que chaque leader sous la terre sont têtes. D'ailleurs, et chaque leader, ça retour, il tient à ce que, un par exemple, là, je me rappelle, il y a plusieurs églises, je ne vais pas faire comme si je ne vais pas citer non. Il y a une église, c'est révolte, ou bien tout, c'est en division, en désaccord, qui veut faire ça exister, pour que nous parlons, pour que nous doctrines parlent. Moi, ça me donne, et puis tout, il y a une guerre. Parce que je me rappelle, beaucoup de gens qui arrivent en présence, il y a des pasteurs qui ont prêché de l'église au même côté, comme si face à face. Il a prêché, il a prêché, non, c'est point à petit. Il a tiré point sur là. Pendant cette année, il a fait travail. Nous allons arriver sur ça, mais nous avons besoin de faire une mise en place ça pour tout le monde être capable, au moins, ouais, qui bon nous allons. Pour nous capables
plus précis, plus concis, bon utiliser quelques causes de division que la Bible interdit pour aider nous à aller plus vite. Par exemple, il y a un élément qui fait séparation entre un conseil et l'église, c'est ça, monsieur Dabdi Taber, là, c'est les conducteurs. Les conducteurs, les responsables spirituels. Bon, pour nous parler de responsables spirituels, là, on ne veut plus nos pasteurs. Nous avons un potentiel éclaircissement pour nous capturer directement. Est-ce qu'il y a un monde qui choisit, par exemple, là, je fais mes écoles, et puis je choisis ma université, je vais apprendre théologie. Même si moi, je dis toujours ça, je ne vais pas apprendre théologie. Théologie, c'est étude de Dieu, oui. Personne ne va apprendre. Mais c'est quand même son étude d'avancer sur la Bible. D'accord. Et puis tout le monde fait 4 ans. Fini, fait 4 ans, fini étudier, dépenser compliqué, et puis tout fini, il prend diplôme, il cherche un bel rang à louer, il marque église intel, autant de bat bravo, les la passe. Ok. Et la Bible claire sur ça, tout le monde qui pasteur, vous devez gagner à paix. Là, vous allez vous anticiper, anticiper sur question ça. Et pourquoi nous avons un pic au problème de l'église, ça que tout le monde va imaginer. Ok. C'est que la majorité de l'église qui existe, ce n'est que la vision de l'homme. La vision de l'homme, wow. Bien sûr. C'est pas l'appel de Dieu. Pourquoi nous disons la vision de l'homme? Et cependant, l'appel peut exister. Oui. Un cas d'appel, et puis c'est, ça me fait, c'est la vision de l'homme. La vision de l'homme, yes. C'est ça qui est difficile là, parce que l'homme a poursuivi la vision de l'homme, il est difficile pour lui conduire ça. Oui. Parce que il a un appel vrai, il connaît le appel. Par contre, avec l'appel, il y a ce qu'on appelle le temps fixé. Un temps pour chaque chose. Ou bien, l'autorité, l'établissement. Avec l'appel, il y a l'établissement. Dans l'établissement, on voit le temps fixé et l'onction. Eh bien, qu'on y a ça qui passe. Moi, vis dans une zone, moi, en nécessité, dans pile misère, dans pile prostitution, dans pile mauvais bagage qu'a fait, et moi, qu'on aime bien l'appel de Dieu. Et puis il me dit, bon, là, méritons l'église, nous fondons l'église là pour nous pallier à tout problème ça. Et puis je viens vraiment avec équipement, nous travaillons, nous fondons l'église, etc., etc. Et puis tout le monde content, tout le monde, c'est ton besoin. Pourtant, je ne fais que suivre ma propre vision. Parce que, qui s'adime que c'est là où on a besoin de mettre l'église là? Nous avons des exemples simples. Oui. En acte 16. En acte 13, le Saint-Esprit voyait Paul comme apôtre. Ou à songer que Jésus est Paul, mais depuis le rue de la terre, ils sont apôtres. Oui. Pourtant, Paul a chuté dans l'église d'Antioche. Pourquoi ça? Parce que l'Esprit voyait là pour lui. Donc, le chuté dans l'église d'Antioche, en tant qu'un prophète, en tant qu'un docteur. L'attente. Mais il n'est pas chita d'exécuteur en tant qu'un apôtre. D'ailleurs, un apôtre ne peut pas être local. Maintenant, lorsque l'est arrivé, l'esprit voyait. Mais si l'esprit est envoyé, mon frère, quand on dit que débarqué Saint-Marc, je vais le travail. Quand on dit que débarqué Jérémie, je vais le travail. Mais c'est exactement ça que Paul va faire. Paul va prendre bateau pour le débarquer en Asie. Et puis Paul dit, l'aime prend bateau pour le débarquer en Asie, le Saint-Esprit m'en a empêché. Et puis il dit, eh bien, puisque le Saint-Esprit m'en a empêché, bon, je vais descendre sous Bitini. L'esprit va descendre sous Bitini, l'Esprit de Jésus ne me le permet pas. Et puis, pendant, moi, dans la nuit là, mon Macédonien qui vient dans vision, il dit, viens en Macédoine, secours-nous. Donc la mission, c'était pour Macédoine. D'où, si Paul était forcé rentrer en Asie, cela aurait été la vision de Paul, et non la vision de Dieu. Mais il a un appel, il a été envoyé. Il a un appel, il a l'autorité parce qu'il a été envoyé. Le temps a sonné. Ouais. Les principales conditions sont réunies. Pourtant, c'est la vision de l'homme. Parce que il n'y a pas de mandat pour aller. Eh bien, c'est là notre problème ici. Nous n'avons pas quatre ministères qui ne sont que la vision de l'homme. C'est une raison d'ailleurs qu'il faut, ouais, puisque cette vision parle, les considérer ministère ça, c'est ministère. Parle. Plus j'ai cette vision parle, mais considérer l'église ça, c'est l'église parle. Eh bien, si l'église ça, c'est l'église parle, or, ou parler de Jésus-Christ, donc, ou bon l'église, Jésus bon l'autre. Oui.
C'est tête l'église par là. C'est dans l'optique ça, nous demander, Jean l'église y est là, est-ce qu'elle manifeste l'unité de l'esprit là? Parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs têtes. Or, dans l'unité de l'esprit, il y a une seule tête, qui c'est Jésus-Christ. Ça te dérange plus, nous ça que nous, tout le monde dit, nous avons même Dieu. Nous recevons même l'Esprit Saint, mais nous toujours des accords. Nous ne pas comprendre ça. Parce que le même, là, nous avons même l'Esprit, nous ne pouvons pas des accords. Si toutefois nous avons consacré l'Esprit Saint, oui. Si toutefois nous avons recevoir l'Esprit Saint, oui. Parce que j'ai une question, dit non. J'ai une question, dit non. Est-ce que j'ai une église, je ne vais pas dire est-ce que j'ai un chrétien. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'église. Alors nous devons comprendre que c'est ça qui fait, c'est sous trop de divisions qui sont venues. Yes. Nous devons comprendre que il y a des façons de faire la fête, pas qu'à faire des accords. Pas qu'à faire des accords. Même si nous sommes chrétiens. Puisque c'est comme ça qu'elle fait, t'as toujours des accords. Parce que c'est comme si son carré construit sur ça. Il est mal construit. Par exemple, on prend l'exemple conducteur, ça que nous avons parlé là, il est venu, il est rentré dans la vie, dans sa propre vision. Eh bien, une fois qu'on rentre dans sa propre vision, eh bien, on fait de l'église à l'église pas. Parce que c'est pas vision mon Dieu lié. C'est pas vision mon Dieu lié. Eh bien, ça qui t'est passé en 1 Corinthiens 3, à Corinthe. À Corinthe, tu as eu un problème de conducteur qui t'a manqué de diviser l'église. Côté que ça a dit moi-même moins de Paul, ça a dit moi-même moins d'Apollos, ça a dit moi-même moins de Pierre, moins de Céphas. Ou comme ça, Peter, c'est le groupe qui dit moi-même moins de Christ. Bon groupe, ça a dit Peter. C'est le groupe ça que Peter, oui. Bravo pour vous. Léon chrétien, d'ailleurs, il est simple. Un monde qui comprend bien fait. Yon évangéliste pote la kaili. On qui comprenne bien fait, on passe pote la kaili. Yak l'évangéliste de Bréchel, li gen tendance remè passe ça. Ah oui. Li gen tendance remè passe ça, passe tout l'autre moun yo. Et tellement remè passe ou de passe, passe ou vin koumin tan pou oum de carré en présence. Yon oum de carré comme si, passe ça n'importe sale ta fè, ou bien tout passe ça va ka fè péché. Passe la ka fè yon mal. Comme si passe vin sain en quelque sorte nan zye ou sa ou pa renponde ça. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre. Paul va dire, mais écoutez, qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? C'est seulement des instruments que nous avons. C'est Christ qui fait grandir. C'est une façon pour Paul dire, attention, l'église, ça n'a pas l'église Paul. L'église, ça n'a pas l'église Apollos. L'église, ça n'a pas l'église Céphas. Il y a un conducteur. Pas propriétaire, en rien dans ce qui passe. Dans ce qui vient là. Simplement, son main-d'œuvre. C'est quoi? Eh bien, tandis que, en pile dans le pasteur, je dis à eux, qui ça y a dit? Je ne parle personnel dans l'autre église. Eh bien, ça, c'est propriété. Et certainement, nous, on va parler, je ne vais pas mouver les pasteurs, mais je vais m'entrer dans la doctrine dans le fond. Si on a par exemple des doctrines comme les témoins de Jéhovah, etc., etc., on va parler en place pour l'assemblée. Ma vine sur question. Attendez. Paul dit ça par an, ça pas doué en cause de division. Ça pas doué en cause de division. Ou carrément Paul passe Pierre. Ou carrément Pierre passe Apollos. Mais faut que nous songez que. Parce que c'est l'homme nous, nous avons une appréciation plus pour l'autre. Ou carrément appréciation plus pour l'autre. Mais vous comprenez qu'il est le cause de division, c'est lorsque nous avons un fanatisme. C'est lorsque nous avons un fanatisme. Côté nous dit que. Si monsieur c'est pas et pas dans l'équipe Paul là, il est pas en affaire. Ou bien dans partisan. Si monsieur c'est pas dans l'équipe Céphas là, il est pas en affaire. Et bien c'est dans ce sens ça, mon qui dit de Christ là, et Peter. C'est dans ce sens ça, mon qui dit de Christ là, Peter. Sous-dou de Christ, sous-réclamant de Christ, ce qui est normal, tout chrétien doit réclamer de Christ. Mais sous-déclamant de Christ, juste pour dire que pas même gens à l'autre, ça y est, qui s'éteint. Ou même tout, ou tomber dans le sectarisme. Ou tomber dans l'orgueil tout. Son parent nous compte, ou tomber dans le même problème. L'homme dit moi-même, moi de Christ, c'est avec un sentiment mal fait tout le monde comprendre que nous tous c'est de Christ que nous y est. Donc nous pas qu'à laisser un conducteur à cause d'un conducteur pour nous diviser. Mais si me dit moi de Christ, mais l'esprit pour me dit, m'a pas occupé de ça, ou qu'a fait des autres ça, m'a dans l'eau de ça, ou qu'a fait des autres ça, ou fait même bagarre. Ou prend Christ comme étant la tête, ou fait le service donc cause de division. Et nous sommes dans ce sens ça, me dit le Peter, parce que c'est Christ ou prend, on fait une cause de division. Donc, nous avons dit que deuxième cause que nous avons touché bien vite, je ne vais pas dire que nous avons tout, mais quand même. Deuxième cause que nous avons touché bien vite, ça n'est pas les instruments de salut, ça n'est pas, par exemple, les missions, les dénominations, etc. Okay. C'est le même problème conducteur, M. Paris, qui crée question mission.
dans l'univers des apôtres, mission va être existée. Mission en tant qu'institution va exister. Non, il va exister. Mission, yo, c'est ton travail pour chaque monde qui libère que Dieu veut. Bien sûr. On travaille mission, yo, prend naissance. Mission, yo, prend naissance. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 19e siècle là. Question mission, prend naissance. Tandis que je dis à tous les gens, moi, d'après les recherches historiques, nous faisons mission prend naissance 2 siècles après Christ, avec l'Église catholique. Parce que vous avez été pour mission pour dominer le monde spirituellement, bientôt religieusement. Moi ouais, moi contexte là, mais mission en tant qu'institution. Institution, OK. Mission en tant qu'institution, personnelle ou bien institution individuelle. Individuelle, voilà. Voilà. C'est 19e siècle et c'est les gars qui jouent la planète parce que tout le monde veut mission. Ça tout le monde veut mission. Parce que mission Baikop, mission d'ailleurs, j'ai ma vision à accomplir. Et c'est à travers mission, je vais accomplir vision. Ce n'est pas la vision bon Dieu, mais c'est la vision. Et puis, ils font pile, ils ont suivi la vision. Ils ont suivi la vision bon Dieu. Et d'où sort ces missions, on ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, vous m'y allez, attendez. Comment ça fait? C'est que même les gens qui ont appelé, même les gens que nous avons considérés comme des apôtres, ils ont même encore qui des envoyés, qui d'ailleurs doivent marcher de localité en localité. Pour arriver dans la communauté, il a dit bon, l'église a fondé, c'est l'église PAM. Puis c'est l'église PAM, nous devons chiter là-dedans pour nous diriger. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous devons chiter là-dedans pour nous diriger. Or, un apôtre n'est pas appelé à diriger une église. Non. Ouais. Maintenant, qu'on y a, puisque l'église c'est l'église PAM, or, il y a une mission pour aller de localité en localité. Donc, là, toujours aller de localité en localité, mais pour l'église, l'État, que le siège social, que l'église mère. Ça y est pas structuré. Ça y est pas apostolique. Ça, son sorte d'organisation externe, son sorte d'organisation institutionnelle et hiérarchisée que vous voyez, que nous pas joindre dans le livre avec des apôtres. C'est comme si nous avons dit que ce sont des organisations à but lucratif. Pas parler dans le design, mon nom, papa. Non, mais pas parler de parce que je me joue dans la base. Il y a dans le secteur évangélique là, qui soi-disant d'une part comme leader, mais c'est pas la économie là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cette question de mission, c'est une pigou monsieur que l'Église aujourd'hui doit apprendre. Parce que comprenez bien, l'apôtre Paul, on vire l'acte des apôtres, livre acte des apôtres, la tête en bas, on vire tout épitio tête en bas, on cherche qui l'Église apôtre Paul d'apprendre. Ok. Okay. Mais seulement, mission, c'était pour toujours, chaque lettre en difficulté, non, l'église est passée, il toujours voyait encouragement, il voyait voilà. Moyen pour résoudre le problème, comme si c'était un guide spirituel. Mmh. Donc, il fondait l'église, mais il plaçait des anciens. Yeah. Parce que l'église n'a pas appartenu. Pendant que le parti est tiré, Jésus, on a toujours apporté voilà. Moyen pour résoudre les en difficulté. Nous pouvons comprendre pour qui ça, il s'agit de tout, Jésus, ah, mais en tous les cas, vous avez un petit parce que votre petit a devenu un homme, il faut toujours jouer sous lui. Paul fait 2 ans à Rome. Paul fait 2 ans à Rome. Qui va te faire base pour le travail? Pas dans l'église de Rome, non? Non. En dans prison. Son. Non, il était loué en cas. Quand il a des prisons pour lui. Oui, donc, en prison. En cas, il loué pendant 2 ans pour le faire toute activité missionnaire. Pour qui ça va faire baser dans l'église? C'est pas capable. C'est pas mission ça. Hein? Et, ouais, après toute activité missionnaire qu'il a référencée à travers des lettres, et la télé, et puis tout. Non. À Corinthe. Si je ne me trompe pas, Paul fait 3 ans à Corinthe. Il fait 3 ans. Trois ans à Corinthe. Là encore, il n'a pas fait baser dans l'église. Non, il n'a pas fait baser. Au contraire, même nous veut plus loin que dit comme ça. L'aime qu'on vient côté nous. Est-ce que nous pour se bon manger pour demain boire non. Malgré me faire temps la caille nous, on travaille à propre fourrage moi pour m'aider moi manger pour occuper tête moi pendant que m'avec avec voilà. Aucun côté dans la Bible, nous pas prendre cette idée d'église mère, nous pas prendre cette idée de mission. Et vient joindre que suis bien leur monde saute dans mission X, il gagne démangeaison les membres aller dans l'activité ou l'autre mission. Mais et quoi sont celles l'église? Mon cher, ça, ils vont tellement de loin. Moi, je mon pasteur d'Algo, je côté, je suis dit, je prêcher côté, je dis, le pasteur l'église a dit, Mission,
ou bien vous prenez l'église mission, vous prenez l'église mère là, vous faites le tourner, alors ça y est l'église mère là. Vous faites l'autre l'église, vous tournez extension. Vous faites le tourner banque commerciale. Vous prenez l'église que vous fondez là, vous faites le tourner extension. Première l'église qui était là. Or, soit regardé dans le livre des Actes des Apôtres, chaque l'église appartenait à une localité. Mm-hmm. Pas l'église de telle ou telle localité qui c'est extension de une première. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ouais. C'est comme si on avait dit, banque bolette qui ont dit un million. Vous comprenez pourquoi on dit ça? Parce que, par exemple, si banque l'enlève, ok, si banque l'enlève seulement, ok, banque centrale seulement. Même quand on te fait plusieurs filières, tout le côté arrive, toujours du banque seulement. Banque seulement, dans un moment, banque seulement, même non. Pendant ce temps, nous, même quand on parle, pas tellement compliqué dans nous, c'est que l'église a changé les hommes, ils changent non. Même quand c'est extensionné, mais ils changent non. Gagne par contre, qui compte pas. Oui, gagne par contre, ils changent non. Et mais au-delà de l'église, telle l'église de telle zone, par exemple, maison de refuge de Cazo, maison de refuge de Saint-Marc. Il y a une taille pour banque. Banque, t'as une banque, sur carte bancaire, ça veut dire une institution normale, institution séculière, qui côté que qui hiérarchisé de manière, qui organisé de manière hiérarchique. Okay. Okay? Tandis que les assemblées locales, ok, ils ont conservé un gouvernement local, ils ont conservé leur indépendance, ils ont par rapport à l'autre. Pour qui ça? Parce que l'organisation de l'Église des assemblées locales, ce n'est pas une organisation extérieure, ce n'est pas une organisation hiérarchique, c'est une organisation interne par ce que nous allons appeler le lien de l'esprit. C'est parce que c'est un organisme vivant qui existait à partir d'un seul et même vie, qui c'est la vie de Jésus-Christ, c'est ça qui liait l'assemblée locale. Ce n'est pas un quelconque dirigeant qui chita dans un siège de mission qui liait l'assemblée locale. C'est pour qu'elle font évêque qui là non. Bon, pendant dix missions, j'ai l'impression actuellement la majorité de l'église, la majorité de l'assemblée, c'est mission comme ça. Mais c'est sûr. Bon, parce que mission, bah, aux conditions. Mission, parce que moi, je m'en l'église dans l'idée. Yo, d'où mission, pas d'accord prêcher dans tel livre. Même quand le livre, je pas d'accord à Romain. Mission, pas d'accord pasteur à prêcher dans le livre. Mais. Et pasteur lui même pour l'obliger à obéir à mission parce qu'il est comme il a fait, il paye chaque mois. Comme preuve que c'est pas Jésus-Christ qui tête l'église. Comme preuve que c'est pas Jésus-Christ qui tête l'église ça. Or, depuis c'est pas Jésus-Christ qui tête l'église ça. Et ça peut être l'église. Nous gagnons un homme qui sait mettre l'église ça. Donc ça, c'est la vision d'un homme comme nous l'avons dit tantôt. Bon, en question, pasteur, quand on dit ça, nous nous faisons plus clair pour mon capitaine de nous. Si Jésus pas mettre dans l'église, par exemple, je vais être là, je suis diplômé dans la théologie, je vais être là, je vais être là, je vais être là, je cherche mon cahier, je fais l'église, je vais être là. Tout ça me dit c'est ça. Allez, je vais mettre l'église, là, ouais. Ok. Tout le monde qui va adorer, tout le monde qui va prêcher, l'église, est-ce que vous avez dit, est-ce que l'église. De manière fondamentale, tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Tout ce qui n'est pas de Dieu est de Satan. Si, tout ça qui parle de Dieu, pas oublier que la division est de Satan. Donc, si structure ou créé, il m'a créé, pas de Dieu. L'inon ligne de division, la division est de Satan. Je ne pas dire que tout le monde dans l'église, ça, c'est le monde qui va dans l'enfer. Non, on va pas dire. Mais le travail qui se fait n'est pas le travail de Dieu. Nous sommes tous à l'heure que je suis dans le ministère et puis je suis ma propre vision. Je travaille dans le ministère et puis je suis en train de suivre la vision de l'homme et pas la vision de Dieu. Et nous avons un exemple, côté Paul, tu tenté de suivre sa propre vision. S'il te régimbé, il toujours continue à aller à l'Asie, il t'a tombé dans sa propre vision et non la vision de Dieu. Donc, on a continué, on a avancé et si nous t'a reprendre cette question de extension des églises, nous faisons exactement l'extension, le bien ou l'autre. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'organe est bien, ou après seule condition qui cautionnait la séparation des églises, c'est la localité. La localité. Puisque l'église a un pile monde là-dedans, il y a une distance pour nous, il y a tout pas qu'à chiter d'un seul côté,
yo obligé faire le constat juste faire séparation, mais c'est sur le plan de la localité, c'est seul raison. Mais yo garde sous distance là et puis yo dit bon appel constat puisque ou même dans telle ville, rete dans telle ville, ou même dans telle ville, rete dans telle ville. Nous fondons l'église dans ville ça, nous fondons l'église dans ville ça. Pas grand question de chrétien ça obligé quitter Éphèse pour la l'église, pour la l'église en Corinthe, pour la l'église à Corinthe. Yon chrétien d'Éphèse rete membre d'Éphèse, li rete membre l'église d'Éphèse. Si li visite Corinthe, li sont membre d'église d'Éphèse à Corinthe. C'est visiter. Tout comme yon nan ba m pa souligné, tout comme yon ancien, li ancien pou la kaili. L'ancien est un dirigeant local. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de dirigeant extra local. C'est ça qui fait cette question de évêque qui a dirigé l'église. Wana met l'église nan nord, l'église nan sud, l'église nan nord, li pas selon exemple que nous joignons dans côté là. Côté il n'y a côté, pas de dirigeant extra local. Côté nèg yo joine dans le livre des exemples. Dit évêque ça. Côté nèg yo joine. Bon, c'est pour moi-même c'est on m'pa konn comment yo fait utiliser la connotation que utiliser là. Pour je dire la connotation que utiliser dans le dame beaucoup fin comprendre pour ça utiliser. Parce que moi connais bien entendu il y a un rapport avec l'église catholique oui, mais évêque c'est ce qui est drôle. C'est ancien local là qui est l'évêque. Ce qui est drôle, c'est ancien local là qui est l'évêque. Parce que le terme qui a été traduit par ancien, c'est encore la même idée avec le terme qui est traduit par évêque là. L'on prend presbytéros qui traduit par ancien, presbytéros qui traduit par ancien, ou prend épiscopos qui traduit par évêque. OK? Mais l'on a étudié l'épître pastoral. Ou après, ni ancien ni évêque là, ni épiscopos là, ni presbytéros là, y a une même charge. Okay. Donc c'est la même fonction. Okay. C'est pas deux fonctions différentes. D'où c'est ancien local là que t'es poté non évêque là, qui sont tels civils surveillants. Donc on va comprendre comment ils transformer en gens. Non, qu'on y a transformé évêque là comme chef tout pasteur. Voilà, le chef tout pasteur qui en parle. Et il y a même si on utilise le même jeu catholique utilisé. Exactement, c'est ce qui est drôle. Ouais. Donc c'est ça, ce sont pas quelques problèmes. Et vous considérez ça comme un gros poursuivre, pasteur? Bien sûr, c'est pas quelques problèmes. Gros poursuivre, on est beaucoup évêque dans mon moment. Et vous pouvez le voir, bon, souligner bien rapidement. Bon, souligner bien rapidement. L'on a étudié le livre Les Écrits Pastorales. Les Écrits Pastorales, on rend compte que pas de l'église vraie qui était dirigée par un matador super. On se rend compte qu'il y a des responsables de la guerre. Les églises sont dirigées par un groupe d'anciens assistés des diacres. Parce que le gouvernement de l'église locale, c'est un gouvernement, comment je peux dire, serviable. À deux. En quelque sorte, serviable. Est-ce que vous avez à deux têtes ou bien à deux? Dit à deux têtes, non. On seule tête, mais plusieurs services. C'est deux groupes. C'est deux groupes de dirigeants. L'église locale, l'organisation locale, il y a deux groupes de dirigeants là-dedans, les anciens et les diacres. Diacres, là, pour moi, anciens ou des fonctions par eux, diacres ou fonctions par eux. Diacres, c'est plus que. J'ai l'impression, comme si, d'après la Bible, diacres sont plus là pour soutenir l'église physiquement. On responsabilité sociale. Sociale, on responsabilité sociale. Mais je ne veux pas dire que diacres va faire ça. Dès qu'il y a un diacre. Non, je veux dire là, que certaines églises. De certaines églises qui fait diacre là, assister pasteur, comme si m'ta dit. On sort de prédicateur? Pas même on sort de prédicateur. Ou bien on adjoint? C'est pas même on sort de prédicateur. On sort de pasteur adjoint, on sort de pasteur assistant parce que les pasteurs pas là, c'est diacre là qui n'en place. Non. Ça, n'est pas biblique. Parce que imagine, on baka diacre pour m'en dans l'église avant d'en diacre. On dans l'église on diacre là pour son autre sœur qui est responsable pour baler l'église là pour passer mort. D'ailleurs, vous allez comprendre. Les gens prennent liste de qualification. Ils ont ancien. Il n'est pas différent de diacre là. Il est différent d'un seul bagage. Ancien obligé propre à l'enseignement. Yes. Le diacre ne l'est pas. Le diacre lui-même là pour subvenir. Ancien obligé social. Propre à l'enseignement parce c'est que l'ancien pas dit. S'occupe du ministère de la parole. Ok. Et même je dis, nous avons dit, pasteur Wallio, c'est concentré sur la parole de Dieu pour protéger. Peuple, Jack là même là pour le concentrer sur le peuple, pour le voyager sur le peuple. Les hommes parmi les deux ans, Jack là doit connaître, et elle parmi parce qu'il y a un problème.
que diacre. Il est vrai que la Bible pas défini totalement la fonction. La fonction du diacre. Mais nous devons le catégoriquement dans exemple acte 6 là, nous ouais pour qui ça diacre là. Oui, ça diacre t'est venu. C'était une responsabilité sociale. Donc on dit pas obligé capable enseigner, mais si pas obligé capable enseigner, comment faire prendre telle place en pasteur? Jo walou. Si diacre pas capable enseigner, comment faire prendre telle place en pasteur? Les pasteurs là. Parce que ça il doit d'ailleurs c'est pour ancien tu es capable de joindre temps pour les vaquer au besoin spirituel, ou bien au ministère de la parole pendant c'est ça qui fait tu viens diacre donc on va répondre diacre lui même tout dans le ministère de la parole il va dire encore puis ton bon évangéliste fini ça que l'évangéliste bon ou bien prédicateur on va entendre ça donc c'est on va apprendre pour me fouiller dans le ministère de la parole parce que c'est besoin de libérer ancien yo c'est besoin de social là pour carrer dans le ministère de la parole pour y répondre que me fouiller dans le ministère de la parole il va faire ça donc il va en dire d'accord il va dire d'accord OK nous faisons une petite pause avant ça n'a pas tourné. Nous retournons encore pour deuxième partie émission. Et émission ça nous toujours fait plusieurs pour Zaden, mais je dis aussi cette pause qu'a fait parce que bah y a un pile là, mais nous on a poussé plus devant que mon Dieu fait nos grâces et qu'on continue ou même qu'a suivre nous que quel bon courage tout pour tendre plus bien et comprendre tout ça qu'a dit parce que nous pas venir voir monter c'est l'évangile qu'a parlé à bon entendeur. Salut, reste la consigne. Très bien, nous vraiment un élément qui fondamental qui cependant malgré son élément fondamental il pas doué en cause de division. OK. Parce que là, nous allons parler des différences doctrinales entre. Donc, quoi, Adventiste, comme tu écoutes tout ici. Différences doctrinales. Yes. Et comprenez bien, mes chers amis. Mais si la Bible dit si quelqu'un a l'esprit de Christ, il appartient à Christ. Yes. Selon Romains chapitre 8. Et Jésus a pu nous toujours dire ce qui n'est pas contre moi est pour moi. Est pour moi. Yes. Ok. Maintenant, mais s'il a l'esprit de Christ, ils sont mon bon Dieu. Oui, mon bon Dieu. Ils sont mon sauvé. Mais pour qui raison le fait que le mal comprend l'évangile là en doctrine, il interprète en doctrine mal, bon, il a l'esprit de Christ, il est mon frère. Il est mon frère. Donc, la question serait que moi aider et prier pour lui pour comprendre que le dernier voir. C'est là où l'enseignement est important. Mais c'est moi quand je dis à mon plus suivre côté de Gen, côté de Alléluia toute journée, côté de prier toute journée, là, mais depuis côté de étude, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas quoi dans la Bible. Il n'y a pas quoi dans l'enseignement. Et même Jean Moumé dit faire ça. Peuple a péri, faute de connaissance. Et pas faute de la prière. Faute de connaissance. Vous mettez chez ta prière, matin, midi et soir, si vous n'avez pas connaissance, vous allez prier mal tout. Parce que pour qu'on prie bien, il faut qu'on ait l'enseignement de la prière. Il faut qu'on comment vous priez pour prier bien. Je ne sais pas comment vous priez. Je me souviens que quand je suis dans l'étude, frère a dit que ça allait aller par ça. Comment est-ce que vous avez dit? Bouillon échauffé. Et pas bouillon échauffé, mais comme si on sortait de mélange. Galimatia. Longaï. Ok. On a prié. Lui tout prié pour toute bagaille en même temps. Longaï. Oui. Par exemple, en Galates 5, verset 20, lorsque Paul a parlé de hérésie, c'est pas. Et pas l'idée d'erreur. Non. Et pas sous ça, mais d'accent. Accent pas mettre sous l'idée d'erreur, non? Accent mettez plutôt sous division à cause de l'erreur doctrinale. Doctrinale, yes. À cause d'enseignement mal bâillé. Exactement. Division à cause de l'erreur doctrinale là. Nous sont division à cause d'une question de doctrine. Donc, Paul d'accord que l'erreur doctrinale là a commis, mais il parle en cause de division. Pour qui ça et pour qui ça parce que. Au contraire, si nous n'avons mal compris nos bâillés pasteurs, c'est pour le chita. Avec des leaders, vous pouvez vous chiter ensemble, vous pouvez discuter sur lui pour faire comprendre bien. Bien sûr. Vous pouvez comprendre bien ça que vous faites là. Bon, Bible là. Donc, vous voyez dans 1 Corinthiens 11, verset 16, lorsque l'apôtre Paul a parlé de questions, femmes doivent voir les femmes doivent sous tête la marque de l'autorité de telle dépend, puisque tu gagnes un seuil de groupe qui pas trop d'accord ensemble avec lui. Il va le dire, il va le donner un mot, il va le donner une phrase qui est vraiment sensée. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude. Et les églises de Dieu non plus. Voilà. Donc, Paul te comprend que quelqu'un qui est en train de contester, mais il dit nous ne pouvons pas rentrer dans une discussion qui doit mettre nous en division.
Au contraire, il va renforcer parole ça dans Philippiens 3, mm-hmm. verset 15-16. Mm-hmm. Vous comprenez? Il va renforcer parole ça dans Philippiens 3, verset 15-16, lorsqu'il va demander mon yo. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si vous êtes de notre avis sur un point, si doctrine que nous avons développée ou t'as commis un erreur sous l'hypothèse, ça veut dire qu'on va être différent de ça, moi je dis, Dieu est capable d'éclairer vous. On a adopté le même esprit parce que Dieu est capable d'éclairer. Donc, lorsqu'on a un problème doctrinal, nous ne prenons pas un groupe de monde qui est d'accord avec nous, nous déchirons les gens à fond de l'église. Comment est partisan? Ce qu'on appelle le ministère de la honte. Okay? Mais nous allons devant bon Dieu éclairer. Fini d'examen. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Là où nous en sommes. Voilà. Là où nous en sommes, pour côté nous sortir là, pour nous arriver côté nous là, c'est pas une question doctrinale qui peut empêcher nous vivre ensemble. Mm-hmm. Parce que question doctrinale, yo, Jésus a éclairé. Yes. Donc, même différence de doctrine, yo, pas doué, yon cause de division. Mes amis, pour qui ça passe qu'on soit adventiste, ou empêcher étude la fête, l'on passe dans l'église pentecôtiste, par exemple, ou chita principal sa nan tête ou craser étude ça. C'est pas pour dire craser étude là, non, c'est ou bien tout c'est fait pour la passer. Mais c'est non fait par la passer craser là, oui. Alors, ou son pentecôtiste ou débarquer exprès, non, le mise à Adventiste, pour le craser. Craser étude ça parce que oui, l'île doctrinale, il y a pas de sens. Mais première question que tu as de poser, est-ce que l'église, ça c'est l'église bon Dieu? Est-ce que moun sa ou gen Christ nan yo? Mais si on gen Christ nan yo, et fwa ou yo yé, oui? Et fwa yo yo, c'est prier pour prier mon Dieu éclairé. Et ça coudou là à prier, c'est pas au même mon Dieu avec lui. Au lieu d'éclairer, c'est toi même qui va l'éclairer. Parce qu'il y a des points où on doit penser, ou prendre la pensée dans la vérité là, dans la vérité là. Jésus était clair sur ça. Là où il y a un bout de bois dans le monde qui va côté, pas bien peine. Là où il y a un paille dans le monde qui va côté. Ah mon cher. Pas bien peine. Ou bon pout. Ah mon cher. Alors qu'on y a là, nous gagnons même esprit, nous gagnons même Dieu et Père de tous, nous gagnons même espérance, nous gagnons même vie de Christ là qui est dans nous. Même espoir. Et puis nous quittons tis. Empêchez nous vivre ensemble. Tis. Nous quittons tis. Empêchez nous vivre ensemble. Ah moi c'est baptisme. Donc là il va être tis. Donc là il va être tis. Donc là il va être tis. Quand le côté c'est tête marée, baptiste c'est mon formé, est-ce que vous comprenez? Ça me décontent de l'église. Je suis un peu contre l'église. Je suis un peu contre l'église. Je suis un peu contre testament. Est-ce que ça me dit? Donc, pourtant, mais nous touchons à parler avec un théologien adventiste. Je suis à parler de son petit débat avec un théologien adventiste. Je suis tombé des nuits. Oui, pour façon, mec, ça connaît ce testament, je sais. Pour celui de vérité n'est que ça fait des moins dans ce testament, me saisis. Donc bon celui bagaille nous pas mettre accent sur yo, nous ka la prendre dans moi adventiste. Oui. C'est vrai que yo doit venir apprendre le nouveau testament puis bien dans mes nous. Oui. Mais nous ka la prendre dans ce testament dans mes oui parce que yo tellement connait, donc on est nous. Sous mon celui de petit détail ou même ou pas jamais penser avec yo et puis n'est que ça a définitif détail ça yo ba ou parce que yo comme des experts dans ce testament. Ça veut dire nous quand pile bagaille nous ca jouir de eux. Nous quand pile bagaille nous ca jouir de eux. Pourtant ça nous dit ah nous ça nous veut rejeter. Nous veut rejeter. Pourtant nous sommes frères. Et vous te carré le fait que on va pas prendre pile bagaille de eux finalement ils même venir nous compte pour que on ca prendre pile bagaille nous parce que c'est sûr qu'on va prendre le Nouveau Testament bien passé. Bien passé. Et nous chaque nous focus sur une partie parce que ça veut dire que nous pas manger ce testament mais nous focusons pile sur le Nouveau Testament. Tant que vous-même, vous focus en pile sur le testament. Ça veut dire, nous avons complémenté l'un l'autre. Nous avons complémenté l'autre. Nous avons saisi que l'église adventiste, qui est l'église adventiste, nous avons saisi qu'elles sont complémentaires de l'église pentecôtiste. Tant que nous avons commencé. Bon, baptiste est un pire parce que le point doctrinal entre baptiste et pentecôtiste, sans c'est presque confus. Presque même bagaille. Non, presque confondu. Bon, confusion même. Alors, nous devons dire plutôt presque confondu. Point doctrinal entre baptiste et pentecôtiste, presque confondu. Ça veut dire presque même bagaille. Mm-hmm. Pourtant, nous n'avons pas mal. Bon, mais. En question de tisse. Nous malades. L'église est la malade. Et Dieu Christ même. L'église est la malade. Ok? Donc, c'est vrai, nous n'avons pas qu'à quelques bagailles là parce que nous avons l'air de bien. Donc là, je suis obligé de remettre à Frère Benito. Pour les nécessaires. Bon, Jean que pasteur Sodina, pasteur McIntosh, je vous remercie pour tout temps ça que le banou
l'entend nous que nous choisissons dans l'émission hein, pour permettre l'émission ça a fait du aujourd'hui. Hein. On va oublier dans l'émission ça c'est des bonnes questions et c'est Jeps qui présente au lit avec l'aide et production avec Simon Entertainment. Je ne sais pas si c'est le dernier mot dit avec nous qui t'attendons. Ok, bon, j'en ai dit dernièrement, moi t'as souhaité, je ne sais pas si il y a des possibilités, même après, pour mm-hmm. répondre à quelques commentaires, parce que nous connaissons quelques commentaires. Okay. Et nous voulons nous voulons faire auditoire là, qu'on ait tout que nous faisons des conférences en présentiel. Sous question ça, ça veut dire nous souhaitons un jour nous sommes capables de rencontrer en présentiel et puis nous sommes capables d'avoir une belle interaction parce que ça n'a qu'à argumenter davantage, non seulement on a bien plus de temps mais on n'a qu'à argumenter davantage parce que et nous n'avons pas qu'à dire nous comptons tout ça qui existait dans la Bible là, mais au moins nous avons fait avec des apôtres montrer à tout un chacun qui type d'organisation qui existait au premier siècle. Okay. Et puis comme ça nous avons ouais à quel point l'organisation qui est là aujourd'hui a de très loin différent. Un grand pile fire. Mais très très loin différent. Ok, je crois que y a un monde qui a une question, ou capable de quitter le commentaire là. Ça a une question pour moi tout. Vous mettez quitter question dans le commentaire et puis tout n'a pas responsabilité pour nous faire pasteur. Vous voyez réponse en bas directement sur le tout. L'équipe doctoralement de vous toujours à venir pour poser question. Il y en a pas de question, il y a même la pièce pour nous, par une vidéo côté que nous avons sur Chanel là. Et vous êtes capable de suivre. Ça veut dire, pas hésiter à poser question dans le commentaire, nous attendons. Oui, c'était frère Michel Antilineto qui dans l'émission ça dit ma question qui est 10e sortie. Et nous remercions Pasteur, nous remercions mon cap filmé en tout qui c'est frère ou. Ma belle cité non. Vraiment et remercier Elim Production, Simon Entertainment, Vision Familiale, Voix de la Lumière Ministère et pour ministère évangélique, nous remercions famille Amelda, nous remercions famille lui, famille Dorsena, famille Michaud avec tout le monde qui va citer qui connaît qui a supporté. Merci. Et ou même qui t'a merci pour tes retours ou bien opportunité, juste quitter un message en bas vidéo ça ou bien numéro de téléphone ou bien tout le monde en contact. Merci, nous l'autre fois encore, nous l'autre fois encore, nous apprenons la prochaine émission. Au revoir. Au revoir.